Bonjour tout le monde et bienvenue sur Bad Company 2. Je vais regarder si ma caméra est bien placée parce que je la vois pas. Bon, on va Regarde la commencer. route! Oh merde! Quoi? Rien, gros tout! Marlowe, surveille nos arrières et élimine ces types avant qu'ils approchent! Ici Bravo 2, on a le PSQ! Et l'ennemi nous prend le train, on essaie de s'en débarrasser! Mais ça fait mal! Vous êtes toujours avec moi? À garde! Ah! Sweetwater! Oh! Du coup, je reviens, je vais aller allumer la lumière, on va mieux me voir. Eh ben. Ça, c'est quelque chose. C'est du toc ce que vous avez rapporté. Du toc, chef? Oui, info. Le projet doit pas être au point. Quel projet, chef? Ils construisent une nouvelle arme. On sait très peu de choses. Mais ça nous fait flipper. Et ce qu'on ne sait pas nous fait encore plus flipper. On a donc besoin d'informations. Et il nous les faut pour avant-hier. Alors vous... Oui. D'accord. Écoutez, on a besoin de ces infos plus vite. J'ai déjà 9 autres unités coincées dans des merdiers pas possibles. Maintenant, vous bossez pour nous. Faites ce que vous faites le mieux. Suivez votre instinct sans pitié. Aidez-nous et vous pourrez tous rentrer chez vous. Dites, comment ça, chez nous? Chez nous, chez nous, chef? Chez nous, chef. Ouais. Vous êtes partant? On est partant, colonel. Bon, l'objet que vous avez trouvé... C'est la spécialité d'un de nos agents, il est en Bolivie. Il s'appelle l'aboyeur. Donnez-lui ça. L'aboyeur. Allez, bienvenue dans le régiment des OP de force locale. Alors là, rien compris.
crois que ma retraite vient de me passer sous le nez. Voilà, une fois de plus. Le régiment des opérations de force locale ? Putain d'orme ! La Bolivie ? Allez, exploser ces krauts. On va aller exploser ces putains de krauts. Pas grave, les autres. Ah, lui me fait rire avec ses clopes. Chauffeur. Et puis l'objet. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé quelque part en Bolivie, à bosser pour une organisation avec un drôle de nom. Sous les ordres d'un type habitué à sacrifier des soldats comme nous tous les jours. En un sens, les choses s'amélioraient. Ce type, Aguayer, ça doit être un sacré barbouze de la CIA pour pouvoir bosser ici en solo. Ça me plaît pas, ça. Ça me plaît pas du tout. Hé, hey, Flynn, c'est ça? On arrive bientôt? Flynn! Monsieur le pilote! Hé, hey, oh! Hé, hey merde, c'est pas vrai! Une minute, mec! J'ai encore perdu mes cloches! Ça va pas du tout! Saloperie de mardi, j'arrive pas à me sortir les doigts du cul, mardi! Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Dans 2 minutes! Oh, c'est quoi ça? Oh! Lance-roquette! Lance-roquette! Ouais, j'ai vu! Wouah, qu'est-ce qu'il fout? Non, vous voyez, ces roquettes russes, c'est de la merde! Contrainte de j'aurais dû faire un truc plus rock'n'roll! Contente-toi de nous amener à destination, sinon c'est moi qui vais te faire un truc rock'n'roll! Ok, ok, on y est presque! QG ici, Ghost Rider, confirmant déploiement coordonné 6449! On va aller voir s'il y a personne qui a écrit commentaire avant de commencer à jouer. Et pas de commentaire. Ah, disons, ça peut-être pas lancer une bombe là. Allez, on monte. Tu vois, soit tu vas te tourner quand il y a la bombe qui pète. On dirait que la mission est déjà finie. Ok, tous avec moi. Et ouvrez l'œil. Et puis qu'un troc tout pété, des bâtiments pétés. C'est peut-être notre homme qui a fait ça. C'est impressionnant. Bah, il t'en faut pas beaucoup. Et maintenant, ah, ça j'aime ça. Voilà que je snipe sur le bruit du tonnerre, si je me trompe pas. Le bruit que j'adore. Il y a 2 corps. C'est tout. On perd notre temps. Attendez une minute. Laisse-le tranquille, merde! Il est mort! Mais qu'est-ce qu'il te faut, bordel? Ordre d'autopsie signé par la brigade des experts au grand complet? Aguayer est toujours vivant. Ils auraient pas laissé ces types, sinon. Ouais, c'est un indice. Aguayer nous a laissé un indice. Regardez-moi ça. Ça correspond exactement. Faut remonter la rivière. Super. On appelle Flynn. Flynn est parti à garde. Décidément, c'est de plus en plus mieux. Voilà, marcher en gare, ça va être drôle. On a de la compagnie. Ah merde, c'est pas là. Un peu plus loin. Bon, ouais, je vous espole, ça loin. Hein? Infanterie en mouvement à 12 heures. Ouais, je les vois. Ouvrez le feu. Les ratez pas. Sur la colline! Roquette! Prenez vos positions!
que je disais, ou plutôt il one shot quelqu'un. Et merde. Allez, viens, tiens. Merde. Ce sera pas long. J'ai le but. Ok. Et moi, chat le doute. Je m'y attendais pas qu'il me one shot. Zéro commentaire. J'aimerais bien qu'il ne fasse pas toutes mes cachettes. Le putain de crabe. Et pourquoi ces types nous sont tombés dessus? Probablement pour nous empêcher de trouver Aguayo. Il est vivant, je vous dis, j'en suis sûr. Alors c'est quoi le plan? On appelle Flynn et on... Je t'ai déjà dit non. Bon. Faudrait qu'on trouve un véhicule. C'est moi qui le conduis ton véhicule. J'aime pas cette rivière. Ouvre l'œil quand même. Cette arme, c'est du lourd. Vous croyez que Braidwood nous a tout dit? Mais j'en sais rien, moi. Je suis un agent secret. Non, je fais juste mon boulot. Ok, bah moi j'ai une théorie. Oh, sans blague. Je sens qu'on va bien se marrer. Écoute, avant de critiquer, si ces types sont bien des mercenaires, alors quelqu'un doit les payer. Ouais, mais qui? C'est ça la question. Quelqu'un qui s'intéresse à Aguayo, j'imagine. Pour la fin du snipe, ça doit être non, bientôt. Il y a un petit tonnerre. Vous savez ça? Sûrement des oiseaux. Je sais pas. Peut-être. Continuez d'ouvrir l'œil. Hey! Je suis sûr d'avoir vu quelque chose. Je pense qu'ils nous observent. Pourquoi ils attaquent pas? Attends, t'as raison. Il y a quelque chose là-haut. Ouais, dans les broussailles. T'as vu ça? Non, je sais pas. Je dois me faire des idées. Marlo, fais-nous sortir de là. Merde, on va s'échouer. Génial. Pas le choix. C'est échoué, de mieux en mieux. Allez, descendez, on continue à pied. J'espère qu'un jour on pourra visiter un pays sans buter tout ce qui bouge. Ouais. Un pays sans bouger tout ce qui bouge. Et merde, ma tête. Je me souvenais plus de cette embuscade là. À part que moi, je me replie, désolé les gars, adieu. Je me fais tuer. Putain de crowd éliminé. À part lui que j'avais pas vu. Enfin, adieu. C'est drôle par contre, une seule balle, c'est Ghost Rider, ici Bravo 2 Alpha.
Je passe en fréquence sécurisée. Allez-y, bravo 2. J'écoute. Ghost Rider, une bande de miliciens bouilleux nous a pris en embuscade. On va remonter la rivière pour essayer de trouver Aguirre. Et on est limite en puissance de feu. Bien reçu, bravo 2. Bon, ok. J'ai pas mal de matos en train de rouiller ici. Je suis un peu juste niveau carburant, mais je vais vous l'apporter. Ça vous va? Oui, merci, Ghost Rider. Ok, on y va. Armée. Ça fouette le sang. Ça va l'attention? Moi j'ai gagé de là. Ferme là. Il faut qu'on trouve cette foutue caisse avant qu'il nous rattrape. Maintenant, tout le matériel qu'on trouve sera stocké là-dedans. Ça, ça me fait grave plaisir. Ouais, merci. F95. Sergent, mais je connais déjà le principe. Ghost Rider, on a la caisse. Merci. Ok, bravo 2. C'est cool. Terminé. À peu près, ça est pour rien, moi. Que je déteste être pris dans les bras. Ennemi. Je l'entends. Ne pas m'échouer. Va falloir continuer à pied, je crois. Il est rapide. C'est une Syrie, non? Ouais, Maguire a dû passer par là. Ils auraient jamais mis en place ce genre de patrouille, sinon. On va s'essayer, c'est pas devant, Ayard. Oh non, sans façon. À toi l'honneur, Binoclar. Ah, pile la ferme, je passe avant. Ah, c'est le stand que je cherchais, parfait. Ah. Tu sais qu'il y en a d'autres. Tu disais seulement que je me montre à faire. On recommence.